Moi dis bon Dieu merci pour chance et privilège libre moi pour me encore aujourd'hui à pour mon propre parole li. En me regardant non pas comme pécheur mais comme instrument pour délivrer la parole de la vérité. Nous allons ouvrir nos bibles dans Lévitique 26 verset 14 à 45. Nous pas plus tout mais on a plus focus sur verset 14, 16 et 37. On a plus focus sur Lévitique 26 verset 14, verset 16 et 37. Et notre sujet d'aujourd'hui se dit le chemin de la désobéissance. Sujet aujourd'hui a dit le chemin de la désobéissance. Qui ça sujet a dit jeudi a? Bon, nous avons pris un bon petit pour le message ça à partir du mot de désobéissance là. Qui ça nous est désobéissance? Désobéissance, c'est les gens indisciplinés, les gens qui insoumis, les gens qui toujours en rébellion. Dans ça nous est le contraire de obéissance. In this world, we see the contrary of obéissance. Ça veut dire, il y a un bagage pour les gens faire, mais ils négligent. Li transgresser ou bien li violer ou bien li pas respecter. C'est le cas de la seconde partie du texte, Lévitique 26 verset 14, que nous allons approfondir et qui en résulte des conséquences. Il y a des conséquences désastreuses pour ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. La désobéissance de Jonas le prouve de trois manières. Premièrement, nous souffrons du désordre, du chaos et de la confusion de tous côtés. L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas 1, verset 4 à 5. Parfois, même les personnes pieuses font face à du désordre dans leur vie. Soudainement, tout devient chaotique. Mais Dieu ne les maintient pas dans de telles situations. Il les délivre, ramenant leur vie dans l'ordre divin, avec la joie, la paix et le réconfort. Ou alors, il les équipe avec la grâce pour qu'ils puissent endurer ces situations. Cependant, serviteurs qui marchaient dans désobéissance rencontrent crise après crise. Pensez à valet péché, Jonas était la cause. Think about how many troubles the sin of Jonas caused. Une tempête incroyable a éclaté. La mer a commencé à être sauvage. Marie a follement peur de jeter paquet dehors. Il a gardé dans désespoir comment moyen pour vivre à descendre en bas en la mer. Nous est sa désobéissance la cause? Non seulement désobéissance, monsieur, a un impact sur l'environnement, comme dans la nature, mais aussi il y a un impact sur le monde. Pour ta ouais, ou fait toute année, ou planter banane, ou planter maïs, souhait dans la figure, et puis yon abouti, yon tête dû faire perdre tout bagage sa yo dans un seul jour. Gè quelquefois, ou ka ou dans une situation qui dû. Gè parfois, c'est pas péché qui la cause. Mais gè yon moun ka fait tête dû, yon moun ki nan désobéissance, qui juste passe beaucoup tôt, et puis, jounon langue est gâté, jounon langue est en désordre, tout bagaille ou vin tête en bas. Et puis, yon bagaille moi remarqué la kaye chrétien, something I noticed Christian these days, is that before they really truly return to God, they have to cause so many troubles. C'est, enfin yon récit retourne back vers bon Dieu, c'est pas déravage pour yon faire sur route yon. Même j'ai avec Jonas. Avant, il s'est resté à Ninive. Il s'est fait tout le monde sur bateau ça pour dire commerciaux. Ou pas même qu'on est qui est à bateau ça t'aille, les récits côté de rivière. Et monde ça était sous lien, ou pas qu'on est là arrivé si on pas dit. Quand je dis à moi c'est monter pas jamais monter bateau encore. C'est comme ça en pile chrétien yoyé. Avant yon récit retourner vers bon Dieu, faut que craser ministère, craser foyer. Et puis, enfin, il aurait si dit vraiment Dieu est Dieu. Et deuxièmement, la désobéissance têtue amène un esprit de paresse et d'apathie. La désobéissance têtue amène un esprit de paresse et d'apathie.
Jonas était inconscient des ordres et de douleur de la cause. Dans la tempête, là, il s'est descendu dans le canot là, il a fait un petit cabicha. Il s'est couché pour aller dormir. Nous avons ça dans Jonas 1er, verset 5. Vous connaissez, grand pile monde se conserve. Et même tout le monde se conserve, tout le monde est à Haïti. Et puis, là, il a fait un bon lapin, et puis la pluie a tombé sous le sol là. Bria seulement, il faut envie de dormir. Regardez, non, et that when I was in Haiti and it was raining, you know, just the sound of the rain used to make me feel like I'm dozing off. I'm so sleepy. I feel like c'est comme ça Jonas teye. Jonas, regardez, non, la pluie, tempête là vient pire. Bon, il s'est dit I don't care, m'a dormi pire. Gen un moment, il s'est beaucoup ronflé. Bon, quand coup tempête là commence à venir pire, il s'est commencé à ronfler. Où est désobéissance? Où est condition missée? Il était prisonnier de sa propre désobéissance. Son péché a causé la tempête. Et il est maintenant incapable de l'arrêter. Donc, qu'a-t-il fait? Il est tombé dans une stupeur spirituelle. Il était dans une paresse hantée de culpabilité. Gen pile chrétien, c'est comme ça qu'il pense. Puisque moi, j'ai commencé à pécher, bon finir. There's a lot of Christians now. This is how they think. Like the moment, since I already started the sin, let me finish the sin, you know, because God already know, I'm already thinking about it, so might as well finish it. Puisque mon gars t'as senti en vie pour me voler bagay ça, bon voler parce que since I already thought about it, might as well steal it. You know, ça c'est une déception. It's a deception. What passe mon Dieu dans bêtise? Parce que même dans le péché, même dans la tentation, bon Dieu fait une route pour vous sortir. Et nous, quand je lis, non, 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et troisièmement, nous parlons de notre désobéissance donne l'image d'un Dieu faible et sans pouvoir. Or disobedience make God look weak, make God look like he doesn't have power. Le chef d'équipage s'approcha de Jonas et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre regard et nous ne périrons pas. » Il lui dit, « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Et Jonas répondit, et leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait expliqué. Jonas 1er, versets 6 à 10. Désobéissance, Jonas fait mon Dieu paraître comme un Dieu de vengeance. Il t'a semblé que si tu as rencontré mon Dieu Jonas là, non, mis ton cafou, il t'a persécuté et vous aurez flanqué une peur bleue. Cependant, ça n'était pas du tout le cas. C'était une représentation totalement faussée de la nature de Dieu. Donc, Dieu était-il en colère contre Jonas? Était-ce une revanche contre un serviteur rebelle? Était-il en train de dire, tu as chuté Jonas, tu avais ta chance, mais tu t'es disqualifié, maintenant tu es jugé? Non, Dieu n'était pas énervé contre Jonas. Ils avaient été déçus par lui, mais ils n'en avaient pas fini avec lui, pas le moins du monde. Si toutefois, moi-même, avec toi, choisis chemin qui mène à la perdition, chemin des obéissances, là, nous refusons chemin qui mène à la vie, hein? On a réfléchi sur Lévitique 26, verset 14, là, qui dit, Lévitique 26, verset 14, il dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, qui savait ce qu'a dit qu'a passé? Eh bien, nous pourrons toucher trois point pour faire qu'on ait plus de détails. Premier point, il dit de l'épouvante qui se trouve dans le verset 16. Voici alors ce que je vous ferai.
J'enverrai sur vous la terreur. Ça, c'est un avertissement pour les gens qui ne peuvent pas obéir. Léon Église commence à venir, il n'est pas chaud encore, il n'est pas de chaleur de cet esprit là-dedans. Fidèle, il perd tout bagaille. Mais il ne perd pas mondanité et péché. Ça, ça veut dire. Eh bien, chrétien de l'Église, a perdu les autant de grandes épidémies dehors, tant qu'ils ont une bactérie ou bien une E. coli, qui n'ont pas même bonne chance pour arriver à l'hôpital. Donc, il perd. Tout comme les autres comme ça, la lune n'a pas le tourner sans, ou bien les balles font éclipse, en pire chrétien sérieux, peut-être qu'on devient chaud. Pour eux, ça c'est la fin du monde. Mais courir pour péché, courir pour nouvelle mode, monde qui a fait monde marcher tout tourné, monde qui, regardez non, il n'y a pas même qu'à différencier si vous êtes chrétien ou bien si vous êtes païen. Courir pour musique, woy woy, courir pour tripotaille, longue distance, bagage sérieux, il n'y a pas jamais fait au père. Pourtant, c'est eux-mêmes qui désobéissent à cela. Et deuxième point nous pour le toucher, qui c'est travail stérile. Nous avons trois grands points, mais nous avons deuxième point qui dit travail stérile. Nous jouons dans verset 16 là toujours, mais ça lui dit, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. En pile dans nous, choisis pour faire bagage sérieux. Mais bon Dieu, ouais, en dedans de nous, pas oublier ou pas traverser. Vous passez dans l'oreille gauche nous et puis vous sortez dans l'oreille droite là. Parce que nous plus appuyés sur force nous, sur diplôme nous, sur grade l'école nous, sur compte bancaire nous, sur famille nous, sur madame nous, sur mari nous, sur amis nous, au lieu de nous travailler pour mon Dieu. Et pourtant, nous pas porter fruit vrai. Car porter du fruit dépend davantage de ce que nous sommes que de ce que nous faisons. En nous verset ça. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il y a un temps pour nous battre, mon Dieu, plus que ça. Réveillez-nous, réveillez Timounio, réveillez Grand Mounio, pour nous voir ça, mon Dieu, m'a dit nous. Tant que Jean Faroche l'a dit, de on n'a pas gagné rien, c'est là dans nous tailler. Même plus gros bagage nous avons fait dans la vie, nous. Dans le temps, ça, c'est obéir à mon Dieu, pour qu'il multiplier plus de bénédictions pour nous-mêmes. Et nous voyons dans Jérémie 29, verset 11, comme on a un peu de monde qui verset ça, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et troisième point, encore, nous arrivons dans le troisième point, nous, mais ça lui dit, les gens sont désobéissants dans l'Église. Activité déséquilibrée. Ce point est décrit au verset 16 comme une fièvre intermittente. Ça veut dire tantôt mon Dieu sous bon Dieu, tantôt a réglé affaire mondaine, tantôt sous bon Dieu, tantôt a fait débat sous discussion qui pas utile en rien. Activité ça yo, crise pas connait yo. Parce que toute vision yon chrétien, crise doit concerner la donne. Amen oui. Parole bon Dieu montre nous. Moun qui prend plaisir dans la parole bon Dieu et qui médite le jour et nuit, mais qui j'en la pied. Et c'est une activité spirituelle qui a aidé à grandir la caille bon Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Son premier verset 6. Le remède à cet état lamentable de désobéissance, c'est la confession. Le remède à cet état lamentable de désobéissance, c'est la confession. La confession. Ce n'est pas une accuser l'autre, ni battre l'estomac, mais c'est pour tout le monde reconnaître la faiblesse et battre pour nous paraître toujours comme coupable devant bon Dieu. Psaume 32, verset 5, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit,
J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et deuxièmement, nous avons l'humiliation. L'aider-nous, les nous désobéir, pour nous toujours mettre nos pitié, pour ne pas passer même avec méchants. Psaume 28, verset 3, il dit, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Et troisième, nous, la foi. La foi qui fait nous gagner confiance qui est inébranlable, que là où le péché est confessé, là où l'humilité est apparue, là aussi la grâce divine reprendra sur vous. Car Psaume 145, verset 18 dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et comme pour finir, conclusion, Timounio, Jeunio, piga nous bat pour ne pas être trop intelligent devant mon Dieu. Pourtant, c'est notre désobéissance qui a marché. Sachez le bien et n'endurcissez pas le cœur. Obéissez à vos parents, mes amis. Obéissez à vos conducteurs, mes bien-aimés. Nous invitez à monter balance, obéissance, ou apaiser plus. Parce que, il y a une bénédiction qui est cachée pour les gens qui marchent dans la volonté de Dieu. Jeunes, mieux vaut nous obéir parents, nous. Tendez-les à corriger nous. Comme ça, nous évitons de prononcer mauvaises paroles sur nous, les en colère. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Grand Mounio, mieux vaut ou prendre position seulement pour bon Dieu, parce que tu as un pile d'amis qui marchent avec, et puis tu n'as pas dans la volonté de bon Dieu. Mieux vaut nous prendre conseil par un yo et nous mettre en pratique. Parce que, ça est pour Timoun, on va parler, mon vieux nous prend conseil Timoun, pour nous mettre en pratique, les parents parlent avec nous, parce que yo est plus loin passé. Et yo traversé tout mauvais courbe la vie, parce que yo gagne expérience là-dedans. Tendez sa Proverbe 1er verset 5 dit. Proverbe 1er verset 5. Peu le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent accueillera de l'habileté. Jonas manquait à finir dans un vote poisson pour désobéissance. Non, mon plus important passer tout le monde. Tendez verset ça. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Et 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Que bon Dieu bénisse. And one last thing I want to say is, whatever you're going through, know God is with you. Know that whatever you're going through, God has given you the power to conquer, because victory belongs to Jesus. Amen.